Bonjour président Marseille. Bonjour moi Namboka, ndiko journaliste. Président Marseille moi mon moko ba politique ya République démocratique du Congo ou le tout ça là analyse sur l'actualité ou sur les kanakati ya République démocratique du Congo na lombangu mais vous allez rapide nayo mais bonne santé politique ya République démocratique du Congo na Namboka Marseille. Oui nene na lobara toujours santé politique ya mboka na biso ezali un peu bien un peu parce que jusque là est à mon canabiso qui m'y contenait totalement le pouvoir en place avec à son en tête le président de la République bazo contient toujours que ça avait fort pour que nous assilis ça définitivement du tout mal à niveau est malam ozali parce que c'est toute la première fois République démocratique du Congo va organiser G à Mounen et Bengami G à Francophonie. Non, ce n'est pas la première fois, ça peut être la deuxième fois. Kabila aussi, il avait organisé ça. Non, ben, Kabila, à l'époque, il y a le sénateur à vie, ce n'était pas le G de la Francophonie. C'est là qu'il y a GT. Donc, quand il y a organisé à OFO, l'activité à Mounen et le Gabarit, c'était la ligne de G de la Francophonie. Où à Kabila, c'est interdit, c'était sommet à francophonie. Sommet à francophonie. J'ai ça les magina. Je pense que c'était ici, na Canada. J'ai à francophonie, ça m'a dit Canada. Mais pas quoi, mais Bissot, avec le pouvoir, où il y a Félix, c'est ce que tu le mot, nous avons organisé Malali Bosso, le jeu de la francophonie. Où ils ont conseillé ma, et comment on a. Ou dans le monde, les 28. Donc, vous avez lobby déjà. Lobby vendredi. Pays est en guerre. Kinshasa fête. RDC fête. Francophonie. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez besoin de jour? Est-ce que vous avez francophonie? Je suis en Marseille. Je suis en Marseille. Pourquoi pas? Vous avez besoin de céder la francophonie? Vous avez besoin de soutenir. Vous avez besoin de Mutumba. Merci pour la question. Je vais répondre directement. Même dans ma propre famille, je vous rappelle ma tante, alors, banda ma tante, banda ma tante, le côté de ma tante, tu ma tante, tu es à côté. On dit que si là où chez les voisins ça brille, on ne fait pas la fête. Mais ça ne brille pas chez les voisins, mais ça brille. Et pas la bise au moko. Mais oui, ça brille dans l'est de moko. Alors, pourquoi on peut organiser la fête? Na yebisi yo awa ki no moka ezali mwa malamu parce que na niveau est bitumba ezako continuer au gouvernement ezako continuer ko ça ba effort ya makasi. Ben fo mon ok ezako mona na misu ya mokili mobimba pona ko si c'est amour. Mwa malamu ezali parce que je ya francophonie. C'est une je oyo. Toujours vendre l'image de la Bissot. Ton coquille qui pèse toujours l'image de la République démocratique du Congo d'une manière négative. Kakate. Parce que malgré nous sommes à guerre, attendez mon frère. La roue est bizarre que non, tu as dit combattre pour que va racheter ce jeu. Pourquoi tu as dit combattre pour racheter ce jeu? Parce que ils ont un aspect diplomatique où ils ont tellement majeur où tu crois que Tika, Jeuana et Kennedy. C'est pour ce moment que mon conseiller Mboka a sali un fort et ma casse pour que Jeuana ait salima. Vous savez que non, Jeuana, depuis toutes les organisations, ma camomène que marché mal à mouté. Il y avait même des opposants qui sous-traitaient au niveau de la communauté internationale. Il y a même qui corrompent comme responsable de l'organisation. Il y a Jeuana pour ralentir Misala. Mais tant que le chef d'État il avait compris l'enjeu majeur, il y a Jeuana, mon conseiller Mboka a accéléré Makambo. C'est pour cela que nous Jeuana et Zako se tenir à voir. Après le voyage à Russie, il a envoyé Bemba. Si c'est ça, je vous dis que non. Jeuana et francophonie, et Naba, ce n'est pas une loisir. Il ne faut pas tout sacaner là-bas.
oh, ben, enjeu international. Loisir international. Ce qui joue on a Ezalaki, joue à francophonie. Ezalaki loisir, mais Rwanda il y a qui go boya ko ça loisir raté. Secrétaire général. Madame Chikuabo. Madame Chikuabo. À quoi qui ko qui matin. Je vous dis Ezalaba enjeu mon corps très majeur. Ok, mon grand ami, c'est toi qui n'as jamais opportunité wana. Madame Choukoubabi n'a pas reçu les invités quoi, l'invitation comme on peut venir. Mais c'est une fuite en avant. Madame Mouchikouabo, moi je trouve ça anormal, mais je n'ai pas comprendre parce que naïebi cause y a fuite naïe. Cause y a fuite naïe. Madame Mouchikouabo, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères rwandaise. Si on a en tête, il y a OEF, c'est le Rwanda de Moutou, Basala, Fort Rwanda à l'époque pour que non, à Zouayango. Mais Nago, c'est le Gomoko. Foutre à Madame Mouchikouabo, et ça, le cola, maman, ton papa, à Kobali, ça, moi, Nanaye, propre moi, Nanaye. Madame, c'est une invitation pour participer à la fête. Et ça, normal. Francophone, et ça, le cola. Moi, il y a Louise Mouchikouabo, parce que c'est lui le secrétaire général. Et cette jeune francophonie est l'un des plus grandes activités au OEF. Mon corps activité est mine Koleka. Et que c'est Mbala Liboso, Banda OEF existait comme OEF, jeune francophonie est à se tenir sans secrétaire général il y a OEF. Mais, bise de CPLI. Parce que ça montre l'opinion internationale que non, Rwanda a un problème dans la RDC. Parce que Madame Mouchikouabo, elle est rwandaise. A boy ko simi ba responsabilité dans le cours de la secrétaire générale de l'OEF à cause du climat est très attendu entre la RDC et Rwanda. Mais Nagoya, c'est le cas pour moi. Rwanda, c'est une annonce aussi. C'est une annonce parce que quelque chose qui se prépare entre la RDC et le Rwanda. La Mikolo Zalikouya. Rwanda, Paul Kagame, a une perte de vitesse. La RDC, maintenant, tu es comme une phase, Yakoko Kisa, oh, ça a une mission divine. Oh, Nzambe appelle ça Boka Oyo. Nagoye Bisayo. Ce n'est pas pour rien au Monaki, à travers vie professeur Kinshasa, au Monaki, démonstration à force, nous démonstration militaire. Nous allons arriver là, nous allons arriver là. C'est Yango, là, on a anticipé. Donc, bon, il y a Madame Mouchikouabo qui participe dans la francophonie, et ça n'a pas raison, et belé. Ma raison, c'est une main, t'aimais belé. Vous comprenez que maintenant, tu crois que vous occupez dans les jeux à francophonie, parce que manger, c'est à ma casse. Voilà, voici aussi parmi les enjeux. Ils ont l'excellente opinion internationale qui non. Il y a un problème entre le Rwanda et la RDC. Et le Rwanda, à la base, il y a un problème. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Marcel Mouema. Tant on le dit que ils ont foutu en avance pour madame Choukouabo. Bah mai au bateau na katia Rutshuru na katia Nyirangongo bazako lela manya muzoko tanga bango pa ba bénéficier pe na bou ya francophonie ba bénéficier na mbi. Est-ce que izo de moto tambour na biso ni je a francophonie et ko se tenir na Kinshasa. Ce n'est pas dans toute la République, non. Même de quoi Zalia on a Congo central là à côté en haut de loin. Nenge mona nenge moko batala bala na ka information na utu na utu bala na ka information ba kongomani malgré bitumba bazana utu et na yebisio que non l'armée congolaise a préparé un assaut Oyo et qu'on mette définitivement. Là où tu as anticipé, on a ébissé, quelque chose qui se prépare. Jean-Pierre Mbemba, ministre de la Défense, VPM, à l'Obaki, il y a un discours, l'évaluation, au niveau de Gomakuna, lors du discours, il y a l'évaluation,
y a organisation, force, y a armée. Non, armée, y a voilà. Cette fois-ci, nous ne sommes pas qu'à canard défensif. Maintenant, nous sommes aussi offensifs. C'est pour cela des bandes de côté à Rwanda. Parce que l'armée congolaise est comme qu'on récupérait place Nango par une armée le plus puissante d'Afrique du Grand Lac. Donc, de Konaroye Bisayo, qui me recote en Est. Donc, l'armée congolaise a commis qu'on soit à un niveau Nango, ou comme armée puissante. Par exemple, armée puissante au niveau d'Afrique et armée puissante au niveau du Grand Lac. Paul Kagame a tremblé. Il y a quelque chose qui se prépare dans une année. En 2024, il y aura des choses qui se passent entre la RDC et le Rwanda. Merci beaucoup, mon avocat Marcel Mouema. Je parle à moi qui est le aussi conquête Baïmboka et la République démocratique du Congo. Tu dis que le Congo représente le Congo Kinshasa, va aller le Komoko, Mboka Moko, Jésus Congo, Jésus Brazzaville, Jésus Kinshasa, Jésus Brazzaville. On a dit ça, mais quelle coopération militaire et ça a mis entre le gouvernement brazzavillois et le gouvernement rwandais Kigali. Et tant que nous sommes son même pays, c'est Baloubaka. Comment vous avez trouvé ça, mon Mboka? Merci, Ezali, qui est chez moi très bien. Et Sengeli, il y a un mot qui est très bien. Deko, la Royaume Bissayo, les Congolais sont regrettés. Mais tu comprends que non, en face, il y a un mot qui est un pays frère, pays ami. Bazali, ba frère, il y a un ami. Congo Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso. Voilà maintenant, masque naye est tombé. C'est un ennemi à la République démocratique du Congo. À la République démocratique du Congo est avancée. Parce que, je vous dis, à côté de la CPLA, RDC, Ezongela, et Sikana Yango, comme gendarme, il y a Afrique des Grands Lacs. L'RDC, nous avons une mission divine. Au Zambé qui est là, on a fait à Pessabiso, République démocratique du Congo. Et mission est comme que nous sommes tous parce que moi, je suis là. Au Zambé, pour nous, pour nous, pour nous, mission nous, pour nous, pour Félix Tshisekedi Azali Josué à Afrique des Grands Lacs. Yene Moutou a cocoté sa peuple et a fait des grands lacs à niveau de terre promise. Et la RDC. Ennemi n'a mis ça dans le sens que Denis Sassou Nguesso a cotisé à cause d'accord avec la démocratie aux années 4 RDC. Parce que là-bas, dans le Congo, Brazzaville, c'est la monarchie. Qu'on a un peuple congolais, il y a Brazzaville, en otage. C'est la famille de Denis Sassou Nguesso, il y a un peuple en otage. Le peuple brazzavillois, le peuple y a Congo Brazzaville, il y a en otage, par une seule famille. Alors, peuple brazzavillois, peuple congolais en général, il y a déjà, il y a un village RDC. Notre démocratie. Un jour, on va dire que non, on appelle le lingue politique de la RDC. Opposant Bazali Libre, l'alternance du pouvoir, et l'actuel chef de l'État, a même mis sur la démocratie, sont plus loin. Dans l'opinion publique, Bazali est l'Obamara déjà. Et dernier, c'est sûr que ça a dérangé. Modèle, il y a démocratie dans Bissot. Et vous savez que Denis Sassou Nguesso, à Lukalusu sous une seconde mandat. Seconde mandat, on a été ma père naïe. Ce sont des Français. Oyo, Bazali derrière Paul Kagame, ma père si Denis Sassou Nguesso mission
ko déstabilise Rwanda à cause de la carte de Congo Brazzaville pas na ko déstabilise RDC mais na zo sur le peuple brazzavillois peuple congolais au dîner de baraya ngambu ce que de nous ça sont que c'est tenté de faire et qu'on tourne contre bango ba Rwanda oyo bango ba Brazzaville Denis Sassou Nguesso à côté na Rwanda oyo ba ba sali partenariat le Kuta a payé sur 12 000 états pendant 25 ans pour soi-disant Rwanda respecter Kuna. Or que j'allais pour la raison mon con bye quoi que taquer RDC Rwanda aya plus proche RDC pour n'avoir que déstabiliser RDC Rwanda j'ai une démission. Il y a les bosseurs ali, oui, bah on attaque RDC, on va recouvrir la banque parce que même si que non, en 2024. Il y a une mission. Ils ont ma révélation dans ce salaire. En 2024, je vous dis en 2024, il y aura des choses qui vont passer entre Rwanda et RDC. Ça sera la libération à Rwanda et la libération là, c'est nous la RDC nous de libérer le peuple rwandais. Mais Sassou Nguesso soyez bakake. Ba Rwanda côté ici na Rwanda va retourner contre lui à côté ici des ennemis peuple brazzaville ba que dans souffrance na bango e bandi ndenge Sassou Nguesso côté ici ba rwandais mais président Marseille après peuple brazzaville il faut aller ba mais Sassou Brazzaville c'est pays de mission pardon mission de ko ma coopération avec le pays tu es aligné ba la mission ba e infiltré au Brazzaville Congo Brazzaville ba kombote la bango bokozi. Au monde où les gens ont été RDC, ils ont été soir. Au Rwanda, ils ont été en train de se faire 10 au niveau de Brazzaville. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. 5 ans, ils ont été belés. Le Rwanda, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Cause de la souffrance, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en se comploter. Na Rwanda contre RDC, mais ça va tourner contre Congo Brazzaville. Mais Brisa Marseille, quand vous dites qu'il y a un complot, mais tant que RDC va avoir un complot, il y a un RCA, un Zambie, un Fungicide, quoi que Congo Brazzaville. Mais ils sont les gendarmes et l'Afrique, les Grands Lacs. Donc, ennemi de mon ami, l'RDC. Nous avons une mission divine au Zambie à faire ce mission comme un gendarme à Afrique des Grands Lacs. C'est pour cela que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a compris que nous avons une mission divine. Et c'est une armée à Bissot et Zonga fort. C'est pour cela que mon cousin Mboka a doté du jour au jour notre armée au Bengami, par outillage d'armée. Azako formé ma militaire. Au monaki, n'engue ma militaire, ma tamouaka na ville à Kinshasa. Tala niveau, oyo, armé na biso, et comme zongé la suimage na yango. Et c'est pour bientôt l'armée congolaise, tout ça que zongé la trône na biso au niveau de l'Afrique des Grands Lacs. Na yébisio, si mon conseiller Mboka, Azako équipé armé, Azako équipé armé, pour na ko libérer l'Afrique des Grands Lacs. Tous ces pays aux autres mondes tout autour d'Abisso, ma peuple on a basé en otage. Ma peuple on a basé en otage dans propre pays d'Abango. Na Ouganda n'engimoko, na Brazzaville on a ngambo. Peuple Brazzaville basé en otage. Famille Sassou Nguesso et soit peuple on a en otage. Et Seigneur basé à libérer. Alors comment tu as dit la Moïse? Moïse, tu es qu'on t'a libéré peuple et Afrique des Grands Lacs. Tu sais qui est basé le col là? Josué. À rencontre ce peuple à Grand Lac, la terre promise. Et tous ces dictateurs, on a compris déjà la mission. C'est pour ça qu'on s'est comploté du jour au jour contre le pouvoir. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, merci beaucoup, Madame Boka Marcel. Moi, je te parle de ce que tu as la CENI, pas de tout ça, mon collègue. C'est que déjà, des pauvres candidats, mais nous sommes en train de constater qu'il n'y a pas un engouement. Je vous dis que non,
ma parti politique, presque 90% de ma parti politique, il va rentrer dans le monde. Il va déposer ma candidature dans le monde. Quel engouement est-ce que Luca? Aux autres, même Motomoko, donc représentant du parti politique, a reconnu que la liste est un parti politique. Il y a eu un niveau IDPS déjà. Ma liste est déjà. Ils ont déposé. Et ma parti politique est belé. Ma liste est déposée. Donc, l'élection est allée en 2023. Et c'est très déterminé. Pour ma bon, il y a un malam. Donc, il n'y a pas que non. Angoumé, Zalité, non, bah, dépôt, bah, non, bah, dépôt, bah, et ça, que ça, les malamo, comme prévu, n'est-ce pas, Seigneur, bon, il s'agit. Merci beaucoup, Mbouka Marcel Mouma. On te parle sur le fil de Kinshasa, de ce que mon avis, c'est ça, à l'émission, les guerres, mais ici, écranché déjà, entre mon amour, Jean-Claude Ngoumila, la président Godin pour eux, assemblée provinciale, et copina, mon amour, Jikoko Moulumba. Qu'est-ce que cela veut dire par là, que nous sommes battus, mon amour? Deko, et Sengeli, to retenir le komoko yango naza ko senga na ko senga na ba kinoa ba kinoa to cede na ba manœuvre politique té ya ba politicien. Le gouverneur Gentil Ngobila azali moto azana ba défaut na ye azape na ba malamu na ye en termes de gestion. Depuis la ville de Kinshasa, Oyo existe. Ils ont gouverné Mokoti à réaliser ma prouesse, ou à réaliser ma misala et à miner le coup de la Gentil Ngobila. N'a rien mis que non, peuple kinois, ou vivre à Kana, 5 communes à Kinshasa, ou à Ngiringiri, Makala, Bumbu, Mongafula, n'a rien mis que non, ce qui le lot. Bazananzela et Lingue, ça, c'est Gentil Ngobila. Mais c'est grâce au gouvernement central. Mais gouvernement central, après, c'est une impiction. Mais l'exécution, ils allaient ville, province, et Kinshasa, à son en tête, Gentil Ngobila. Ce qui le lot, na niveau à Lemba, na niveau à Limete, na niveau à Ngaba, mais c'est notre Zalina, Zela et Réni, 4 communes, Wana, Kobanda. Échangeur de limité, Fikin, Tiko Kende, na niveau Makal et Bimassou et Lengesa. C'est Gentil Ngobila. Bati Kako distrait, gouverneur de la ville. Toyebi Kino, Godin Poyi, avec Ndeko Jekoko, Bako Luka, Monsolo. Bako Luka, Monsolo. Monsolo ya ville, Monsolo ya ville, les amis pour nos individualités. Monsolo ya ville, les amis pour nos misala ya ville. Misala ya ville, et Kosalima. Monsolo. Bango va commencer un club d'amis. Bon, écoute, la ville, ma carte est bon, na bango. Ok, le gouverneur Gentil Ngobila a une mission au Azoa. Le peuple kinoise, il a transformé la vie pour la Kinshasa. Il a transformé, malgré, comme il y a 60% de transformation, mais même 20% on a. Et c'est tout préservé en haut. Tout préservé en haut. Tout dans le marché central, on a beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Recettes, on a vu la Kinshasa. Et c'est ça, le marché central. Banzela Boni Oyo, gouverneur de Kosala en haut. Projet éclairage, il y a vu la Kinshasa. Ils allaient toujours en cours. Mais je suis en Chikoko, à la base de la société, il y a 4 Makambo, gouverneur Tierzo Sala. Vice-gouverneur Azara protocolaire. C'est le gouverneur qui engage. Vice-gouverneur, à travers au premier plan, n'absence qu'il y a. C'est un conseiller, le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, normalement, c'est un conseiller à gouverneur.
vice-gouverneur dans le conseil gouverneur. Donc c'est un collaborateur. Il y a un conseiller au conseil de la Moukosa, parce qu'on te rendit. Donc, il y a un conseiller assez limité dans le prérogatif, dans le prérogatif, il y a le temps que le vice-gouverneur. Atika ko dérangé. Nous les deux personnes nous allions à terre, nous les communicateurs, les deux personnes allées pour nous, toi accompagner, bah tu vas voir comment créer des ordres dans Katia, il y a beaucoup de gens dans Katia ville. C'est lui qui crée les des autres, c'est Jekoko. Oui. Tous ces bandes. Et tu confirmes ça? Tous ces bandes de Jekoko, Naba, Dekoyo, Godepoy, bah ce sont des mandats obligatoires. Bazako Luka, Bongo. Bazako Luka va partager. Recette. Surtout que tu as élection. Je ne sais pas élection. Je ne sais pas campagne. Tu es. Merci beaucoup, Mamboka Marcel Mouema. Tu es le mien de la Congolais Télévision. Mais je suis soukani que vous lancez le bateau portant mon entier. Message à Soukazali. Premièrement, je veux remercier le commandant de la garde républicaine, général Ephraim. Je veux dire que mon équipe est ma ville à Kinshasa et Zagi. Et c'est un côté qui n'a qu'à y Kongomani, Komona Nenge, les hommes en uniforme, surtout à particulièrement la garde républicaine, Nenge Batambo qui n'a toute la ville à Kinshasa, pour la Kisa, ils mangent l'armée congolaise. La félicité pour la discipline, la félicité pour la. En plus, à Bakisi, on sait à notre armée. La formation. Formation de nos forces armées. En tout cas, formation où il a porté dans 4 armées d'Abisso, particulièrement dans la garde républicaine. Bravo. Bravo Naye. Bravo Naye. Bravo. Pénaro Senga, peuple congolais, en particulier peuple quinois, j'ai la francophonie, et ça, au le 28, où ils allaient Moukoula. Lobby vendredi, Bisso, tu as dit peuple mongo hospitalière. Tu continues dans Koyambaba. Il y a une bonne image à la République du Congo. Parce que c'est qu'on doit vendre l'image positivement. Peuple congolais, tout le monde, tout le monde, on a SNGO. Et on a reçu un ST. D'ici là, passe la bonne chose. En 2024, il y a un peu de solo qui est via la STT. Il y a un peu de solo qui est. Donc, il y a comme la phase de la souka pour que non, qui m'y écoute dans la ST. D'accord, mais je ne sais pas si on a opposé tout comme ça. On est en Marseille, pas le marché. Ils allaient toujours dans la piste 243, 89, 88, 533. Donc, piste 243, 89, 88, 54, 533. Merci beaucoup, Marseille. On est en Marseille.